Bien lui ? Tout à fait. Et voici Jonathan. Vous conduirez des modèles de sa collection. Ben, c'est pas vraiment ma collection. Enfin, peu importe. En fait, j'aurais préféré assurer moi-même la conduite, pour être honnête. Je me débrouille bien, hein. C'est pas le souci, mais... L'appui est mortel, et ses forces latérales... Ben oui, ma nuque n'est plus ce qu'elle était. Il me faut donc un pro. C'est là que vous intervenez. On organise un certain nombre de présentations pendant l'année. Courses, contre-la-montre, etc. On m'a alors formellement assuré qu'avec votre talent et votre tempérament, vous pourriez briller. Et aussi améliorer notre image. Et le plus important, rendre les voitures en un seul morceau. Vous êtes donc officiellement invité. On se voit sur la piste? Maintenant, si vous voulez bien me suivre dans mon bureau, j'aimerais passer en revue les détails. Bienvenue à cette présentation internationale qui met en scène la crème des pilotes automobiles au volant de voitures rétro emblématiques. Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier bonus dans cette carrière F1 2017. Alors ici, des vidéos qui ne seront pas en roleplay TV, mais on va simplement débriefer ce qui s'est passé en discutant ensemble et en effectuant les épreuves et bien historiques qui nous seront proposées. Alors on commence avec la Williams FW16 de 1996, et l'objectif est simple, doubler 12 voitures dans les 3 minutes 45 qui nous sont allouées. Alors je suis en train de record en post-gameplay évidemment, comme je le fais pour la carrière. Alors, on va profiter de ces événements pour débriefer, discuter un petit peu de ce qui se passe dans la carrière. Alors, la première course a eu lieu à Melbourne. Je la mets en insert ici au-dessus si vous ne l'avez pas vue et dans la description évidemment. C'est quand même l'intérêt puisque sinon ça va spoiler. Alors, cette annonce étant maintenant faite, on peut se concentrer sur ce qui s'est passé. Alors, premier Grand Prix avec Force India. J'avais un petit peu peur de me faire bouffer par l'IA et finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé un bon rythme avec 95% de difficulté. Je rappelle que je roulais sans les aides, etc. Donc c'était plutôt cool. Beaucoup de plaisir à piloter. Franchement, la voiture avait un bon rythme. On sentait bien l'usure des pneus, etc. Donc pas trop de fautes. J'étais plutôt content de mon Grand Prix. L'avantage, c'est que j'ai rempli une partie des recherches et des développements demandés par l'équipe. Donc j'ai pu déjà commencer à travailler sur la fiabilité. Parce que ce que j'ai vu chez mes petits collègues britanniques, notamment en carrière, c'est que la fiabilité allait être rapidement un problème avec le MGUK, le MGUH, etc. Donc j'ai tout de suite pensé, vous savez que je suis un grand précautionneux dans la vie. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tout de suite dirigé vers la fiabilité avant de faire évoluer la performance, puisqu'on a l'avantage d'avoir le bloc Mercedes dans la Force India qui fonctionne bien. Alors les résultats du Grand Prix sont assez inattendus parce qu'on voit que la Scuderia Ferrari est vraiment à son affaire avec Vettel devant Raikkonen. Et ensuite on retrouve les Mercedes et une Red Bull. Et je trouve ça vraiment hallucinant qu'il y ait autant d'écart entre les Ferrari et les Mercedes dû au trafic. Alors j'espère que ça va se résorber, il n'y a qu'un Grand Prix évidemment, on ne va pas tirer tout de suite des conclusions. Mais c'est vrai que j'ai quand même été assez surpris dans ce premier Grand Prix de voir vraiment les Mercedes dépassés par les Ferrari à mi-course et après ne plus être rattrapés. Alors les Williams sont en bonne forme en début de saison, ça correspond à ce qu'on avait finalement IRL, mais Codemasters va devoir patcher le jeu pour que les Force India passent devant les Williams tout comme les Toro Rosso. Donc on va avoir peut-être une refonte de la hiérarchie. Concernant ma propre course à moi en tant que Maxou dans la carrière, je suis plutôt content. Alors j'avais fait une qualification en Q2 avec la 11e place. Je me dis c'est dommage de ne pas pouvoir atteindre la Q3. Mais ça correspond aussi à ce qu'on peut avoir dans le roleplay, c'est-à-dire avoir le pilote qui n'est pas forcément le plus rapide parce que c'est son premier Grand Prix, le stress, l'angoisse, etc. Donc c'est plutôt cool je trouve de partir vraiment avec une 7ème place à l'arrivée, ça fait des points. Esteban a aussi marqué des points, donc pour le championnat, c'est cool. On est toujours un petit peu à égalité, donc on se bat dans le duel des pilotes. On est vraiment à égalité pour le moment, même si lui le gagne après ce premier Grand Prix. On verra ce qui va se passer en Chine. Pour le reste, j'étais assez content de voir un peu le niveau de la hiérarchie avec les Sauber et les McLaren qui ont beau être loin derrière. Elles se battent quand même, donc c'est ça qui est cool, c'est que de temps en temps je peux aller filmer dans la vue TV ce qui se passe derrière avec les McLaren et les Sauber parce qu'elles sont au même niveau de nullité, on va l'appeler comme ça, c'est un peu méchant mais c'est la réalité. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve vraiment les deux voitures en train de se battre.
Bon, Alonso a cassé un moteur. LOL, MDR. On va voir si Alonso va arriver au bout du deuxième Grand Prix. Stoffel n'a pas eu de soucis. Mais voilà, donc au niveau de la hiérarchie, il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles aussi, mais comme je vous le dis, c'est le premier Grand Prix, donc on va voir un petit peu au bout de 3-4 courses comment ça va s'instaurer. Je pense pas qu'il y ait d'événement historique après la deuxième course de ce Grand Prix de cette carrière. Donc on va se laisser ici pour cette épreuve. Vous avez vu, il reste 15 secondes, on va pouvoir essayer d'atteindre la quantité de voitures à dépasser, escompter même un peu plus avec ici une MP4-4 qui va se faire dépasser et une MP4-4. 8, si je ne dis pas de bêtises, le 92, ça doit être le bon calcul. Non, MP4-6, voilà, on va y arriver. 7, 8, oui, voilà, MP4-8. Donc voilà, donc un événement qui a été réussi sans trop de difficultés et de quoi satisfaire Jonathan. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débriefing. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve pour la deuxième manche. Ce sera évidemment du côté de Shanghai. Merci, à la prochaine. Salut !